pour ramener les souvenirs de nos jolies vacances d'été. J'ai acheté l'appareil photo le plus perfectionné. J'ai posé la famille devant le monument de Châteauroux. Vu que le Tour de France passait là, on ferait d'une pierre deux coups. Je croyais prendre mon cliché en appuyant sur le zigouigoui. Mais manque de bol, j'avais pas lu le papelard où c'est écrit. Cet appareil ne peut fonctionner que hors de son étui. En tirant la languette de la main gauche comme ceci, petit A. Ma femme me dit, tu vois, c'est pas plus futé que ça. Mes neveux impatients hurlaient au pied du monument. Vas-y tonton, fais une photo. Fais-nous sortir le petit oiseau. Tu mélanges pas les fourchettes, appuie sur le bitonio. N'aie donc pas les mouillettes, vas-y tonton, fais une photo. Le vendeur m'a dit de prendre par exemple des sujets différents. Un curé sur la neige pour voir ce que donne le noir et blanc. Mes petits neveux prenaient la pose tandis que ma femme déjà astiquait l'objectif avec sa petite culotte de soie. La notice de 8 pages conseille d'abord aux débutants de bien régler le focal dans l'orifice de la battant petit B, ce qui évite radicalement le petit danger de voir empiéter le bord de la courroie sur la marche de sécurité. Ma femme me dit, tu vois, c'est pas plus futé que ça. Mes neveux impatients hurlaient au pied du monument. Vas-y tonton, fais une photo. Clic, clac, clic, clac, fais nous sortir le petit oiseau. Tu mélanges pas les fourchettes, appuie sur le bitonio. N'aie donc pas les mouillettes, vas-y tonton, fais une photo. Introduisez l'index dans le cliquet qui relie le bouton petit C en déplaçant la tige dans l'orifice du mousqueton petit D. Cependant, faire attention car si l'obturateur se coince, reste plus qu'à dévider le rouleau à l'aide d'une petite pince.